chambre à vide. La chambre à vide de Plum Brook à Sandusky, Ohio, est utilisée pour tester les vaisseaux spatiaux quand ils sont assemblés. Son volume est 10 fois supérieur à celui d'une piscine olympique. Il faudrait plus de 20 personnes debout l'une sur l'autre pour atteindre le plafond de la chambre. Le plus gros rongeur. Le capybara fait 2 fois la taille d'un castor adulte. Ses pattes sont partiellement palmées, ce qui lui permet de pagayer. Un capybara adulte pèse également plus qu'un orang-outan. La Terre. La circonférence de notre planète est 10 fois plus grande que le chemin de New York à Los Angeles. Si le Soleil était vide, on pourrait mettre dedans 1,3 million de Terres, comme une sorte d'énorme distributeur de bonbons. Le plus grand drapeau américain. Il est long comme un terrain et demi de football et large comme un terrain de football entier. Chaque étoile sur le drapeau fait 5 mètres de haut. Cette énorme chose pèse plus qu'une berline normale et il faut 500 personnes pour étirer le drapeau et le tenir. Les serres de l'aigle harpie. Leurs serres arrière sont les plus grandes de tous les aigles vivants. Elles peuvent être plus longues qu'un doigt humain et presque aussi grandes que les griffes d'un grizzly. Cet oiseau peut soulever et porter près de 10 kg, c'est aussi lourd qu'un koala adulte. Centrale électrique. Le barrage des Trois Gorges en Chine produit autant d'électricité que 18 centrales nucléaires. La centrale est aussi haute que 2 statues de la Liberté. Un chat nouveau-né. Il pèse aussi peu qu'un petit citron et tient facilement dans la paume de ta main. La tête d'un chat nouveau-né a la taille d'un bouchon de bouteille. Un mois plus tard, le chaton est déjà aussi gros qu'une canette de soda. La plus grande grotte. La caverne de la salle Miao, en Chine, est la plus grande caverne connue au monde en termes de volume. 4 pyramides et demie de Gizeh entreraient dedans. La seule façon d'y accéder est par un ruisseau souterrain. Papillon. Le papillon de la reine Alexandra se trouve dans les forêts tropicales de la Nouvelle-Guinée. Les femelles sont plus grandes que les mâles et possèdent une envergure au niveau des ailes aussi large que 3 stylos à billes et demi. Mais les mâles sont plus colorés, avec un ventre jaune vif et des ailes vert électriques. La grande pyramide de Gizeh. Elle a un volume 2 fois supérieur au NRG Astrodome de Houston, un gigantesque stade sportif polyvalent en forme de dôme. 66 adultes devraient se tenir les uns sur les autres pour atteindre le sommet de la grande pyramide. La baleine bleue. Le plus grand animal de la Terre peut être aussi grand que 2 autobus scolaires. Chacun de ces bus peut accueillir environ 40 personnes. Cela signifie que 80 personnes pourraient tenir dans une baleine bleue. L'animal est également aussi lourd que 20 éléphants mâles d'Afrique, 85 berlines ou 1000 personnes. Le poisson pêcheur. Certaines espèces de haute mer peuvent atteindre plus de la moitié de la longueur d'un corps humain. Le trait le plus distinctif de ce poisson est une partie saillante de son épine dorsale. Seules les femelles en sont dotées. Elle est suspendue au-dessus de la bouche et ressemble à une canne à pêche. Le wombat. Un wombat adulte debout sur ses pattes arrière atteindrait facilement ta taille. Cet animal peut sembler lent et grassouillé, mais il peut courir à une vitesse allant jusqu'à 40 km par heure pendant plus d'une minute. La plus grande créature volante de tous les temps. La plus grande créature à s'être envolée sur notre planète pesait plus qu'un piano. Ses ailes étaient plus longues que 6 lits queen size. Cet animal, qui s'est éteint depuis longtemps, avait à peu près la taille d'un avion privé. Escargot. L'escargot géant africain est aussi long que la main d'un homme adulte. Il pèse autant qu'un œuf à la coque. Si l'animal sent qu'il fait trop froid dehors, il préfère passer du temps à l'intérieur de sa coquille. Pratique, non? Cascade. La plus haute chute d'eau du monde est le Salto Angel au Venezuela. Elle est 3 fois plus haute que la Tour Eiffel, elle est également 152 mètres plus haute que le plus haut bâtiment de notre planète, le Burj Khalifa. Avion Antonov AN-225. C'est un des plus grands avions du monde et aussi le plus lourd. Son poids maximum au décollage est égal à celui de 430 berlines. Sa soute est assez grande pour contenir 50 voitures et son système de train d'atterrissage à 32 roues. Il n'y a qu'un seul AN-225 opérationnel dans le monde. 1 milliard contre 1 million. 1 million de secondes correspond à environ 11 jours. Mais 1 milliard de secondes, c'est plus de 32 ans. 1 million de billets d'$1 entassés seront environ aussi hauts qu'un immeuble de 30 étages. Mais 1 milliard de billets d$1 entassés arriveront jusqu'à l'une des couches extérieures de l'atmosphère terrestre. Un feu de circulation suspendu. Généralement, il est suspendu à plus de 5,5 mètres au-dessus de la rue, alors il semble plus petit qu'il ne l'est. Placé verticalement sur le sol, un feu atteindrait probablement le niveau de ta poitrine. Le Titanic. Le célèbre navire était presque aussi long que 4 Boeing 747. Il pouvait transporter plus de 3300 passagers. Mais le plus grand navire de croisière des temps modernes fait 5 fois la taille du Titanic et peut transporter 2 fois plus de passagers et de membres d'équipage. Un panneau routier. Un panneau de limitation de vitesse standard qu'on utilise sur les autoroutes est aussi grand qu'une table qui peut accueillir 6 personnes. Une pale d'éolienne. Une grande turbine a généralement des pales aussi longues que 4 autobus.
Cela signifie que le diamètre du rotor est juste un peu plus court que la longueur d'un terrain de football. Une comète. Lorsqu'elle est gelée, une comète a la taille d'une petite ville. Mais lorsqu'elle se réchauffe et commence à émettre du gaz et de la poussière, elle se transforme en une énorme boule incandescente, bien plus grande que de nombreuses planètes. La méduse à crinière de Lyon. Elle doit son nom à sa crinière, composée de tentacules très longs et qui ressemblent à des cheveux qui pendent de la cloche. Les innombrables tentacules de cette créature peuvent être aussi longs qu'une baleine bleue. Et leur nombre total peut être souvent supérieur à 2000. Camion Bellaz. Le plus grand camion de transport du monde peut transporter un poids égal à plus de 2 baleines bleues adultes. Un homme normal n'atteindrait même pas le haut de l'énorme roue du véhicule. Ce géant est presque deux fois plus grand qu'une girafe. Crocodile marin. Le plus grand crocodile vivant de notre planète. Les plus gros spécimens peuvent atteindre la taille de 4 hommes adultes debout l'un sur l'autre. Ils pèsent également jusqu'à 998 kg, plus qu'un buffle. La Lune. Si notre planète était creuse, on pourrait mettre dedans environ 50 lunes. En termes de diamètre, ce satellite naturel de la Terre est plus petit que les États-Unis. Le système solaire. Si le Soleil faisait 1,5 m de large, Mercure se trouverait à 67 mètres de l'étoile. La distance de Vénus serait de 137 mètres, celle de la Terre de 177 mètres et celle de Mars de 270 mètres. Jupiter se trouverait bien plus éloigné du Soleil, à une distance de plus de 800 mètres. Saturne et Uranus se trouveraient à 1,6 km et environ 3 km de notre étoile. Et la distance entre le Soleil et l'objet le plus éloigné de ce mini-système solaire, c'est-à-dire Neptune, serait d'environ 5,5 km. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.